Alors, Contact des fins, le lundi 10 décembre 2018 avec Isabelle. Et puis, on va voir avec qui aussi, parce qu'après, c'est à lui de me dire toutes ces informations. D'accord? Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé, là, plus de photos, je savais pas où elle était la photo et tout. C'est quelqu'un qui est pressé aussi de venir passer un message, d'accord? Même si ça fait pas longtemps qu'il est parti, on me dit. D'accord? Alors, il est en train de me parler en portugais. Vous êtes portugaise, hein? Oui, D'accord. oui. Hein? Il está a dizer muito beijinho às duas gêmeas. Vous êtes jumelles, hein? Oui, vous ressemblez. Mais voilà, aux deux jumelles. Muitos beijinhos, muitos beijinhos, muitos beijinhos, muitos carinho. Beaucoup de câlins, voilà, muito carinho. D'accord. Vous êtes Sylvie, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire, hein? C'est Sylvie et Isabelle, voilà. D'accord. Alors, il vient un peu réconforter la situation, d'accord? Et il dit, vous pleurez trop, mes sœurs. Je comprends que vous soyez chagrinées et tout ça, mais vous pleurez trop et moi, ça me... Alors, ça, c'est pas que ça le bloque, d'accord? C'est qu'il a du mal à avancer par rapport à toutes ses pleurs. D'accord? Hein? Il y a pas le... Comment dire? Le chagrin est encore... comment dire? Nouveau. D'accord? C'est encore frais. Il comprend cette douleur-là. Mais il me dit, je vais bien. Hein? Il dit, je vais bien. Il faut que vous sachiez, je vais bien. D'accord. Il me dit, vous avez tout fait pour m'aider, d'accord? Vous avez été présente, vous avez tout fait pour m'aider. Vous m'avez tenu la main jusqu'à mon dernier souffle, il me montre, d'accord? Voilà. Vous êtes plus jeune que lui, Isabelle et Sylvie? Oui, Vous on êtes... est les plus jeunes en fait, on est les petites Et dernières. voilà, parce qu'il me montre qu'il est le deuxième d'une famille de fratrie de famille. Vous voyez, comme le garçon, l'aîné. Vous avez Oui. un autre frère aussi? Et après, c'est que des sœurs, hein? Deux frères. Deux frères après lui et après on D'accord. n'est que des filles. Que des filles, d'accord. Mais il y a une fille aînée aussi, hein, il est en train de me dire. Il me dit, Après lui, oui. il me fait comme... Aînée, oui, Une une grande fille, sœur, une oui. sœur. Et il me fait comme ça, il me dit, Mamma mia. Tout ce monde à la maison. Voilà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter, d'accord? Il est en train de me montrer qu'il aime énormément rire, d'accord? C'est quelqu'un qui aime plaisanter, c'est quelqu'un qui aime rire. Hein? D'accord. Vous êtes 8 enfants, 8, 9 enfants? 8, 8 8. enfants, d'accord. Parce que ça le fait sourire, il me parle par rapport à ma famille, à moi. Nous, on était 8 enfants aussi, d'accord? Voilà, on était quatre filles et quatre garçons. Et il me montre ça, en fait, cette complicité que vous aviez les uns avec les autres. D'accord? Oui. Voilà, hein? Et complicité ben de tout, en fait. Hein? Il y a une famille unie chez vous. Hein? Il me montre Oui. ça, une famille aimante. Oui. D'accord. Il est en train de me dire que il faut pas que vous vous inquiétez parce qu'il est bien passé de l'autre côté. D'accord. Il dit, je suis avec Avor. Ouais. D'accord? Elle est venue le chercher, Avor, il me dit. Ça va. D'accord? D'accord. Vous passiez les vacances chez Avor parce qu'il me montre ça. Oui, au Portugal, Quand vous oui. étiez On enfant, était hein? là-bas, oui. C'est comme une deuxième maman, vous voyez? Oui. Voilà, hein? Un petit bout de femme, une petite femme. Oui, Oui? Un petit bout de femme, hein, il me petite, dit. Hein? Et puis, comme il se met devant elle, pour vous dire, chiffre grand, tu sais? Mais oui. bon, C'est vrai, c'est voilà. Hein? vrai. Et puis, il la prend comme Toute ça par petite. l'épaule. Elle est avec lui, hein, avant. Ah, c'est bien. D'accord? Voilà. Hein? Alors, physiquement, votre frère, je veux dire, c'est une très belle photo, mais il me dit, je suis partie malade. Vous voyez? Il est en train de me dire, je suis partie malade. Je suis plus malade, il dit.
Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous mettiez dans votre tête que je ne suis plus malade. Je suis en pleine forme. On est en train de me retaper. Voilà. Là, bon, là, vous avez envoyé une photo de chapeau, mais il aime bien les chapeaux, hein. Oui. Il aime bien se déguiser. Oui. Il aime bien se déguiser, de toute façon. Oui. D'accord. Il aime bien se déguiser, hein. Il aime bien faire rire, hein. Vous voyez, oui. il est en train de s'amuser. Il me montre qu'il fait un peu le pitre devant moi, vous voyez, hein. Mais c'est un amusement un peu charmeur aussi. Oui. D'accord. Voilà, il fait le beau, là. D'accord. Mais c'est voilà, c'est l'amusement le charmeur. Il n'aime pas non plus être trop, je veux dire, un laisser-aller dans ce déguisement et tout ça. Il faut quand même qu'il garde cette dignité d'homme. Ouais. Hein? C'est surtout le soir que vous pleurez toutes les deux. Ouais. Hein? Voilà. D'accord. Il me dit, j'aime pas cette façon, j'aime pas que vous pleurez. Je veux que vous vous rappelez des beaux moments ensemble. Je veux que ces larmes, ce soient des larmes pour me faire monter, évoluer et avancer encore. D'accord ? Pas qu'elles me pèsent, mes chéris. Hein, c'est qui Sissi ? Parce qu'il me dit Sissi. C'est moi, c'est Sylvie, c'est mon petit surnom. D'accord. Ma petite Sissi, il dit. Je veux que tu et Zaza ? C'est moi. C'est Zaza et Sissi, nous avons fait comme ça. D'accord. Il me dit que j'ai... D'accord. Vous savez, il est en train de me parler, mais il est en train de faire s'amuser. D'accord, hein? Il est en train de jouer encore, là. Parce que... D'accord. Il me dit, moi, je ne veux pas qu'elle garde cette image d'un homme malade. D'un homme qui est... D'accord. D'un homme qui a eu un cancer. Hein? D'un homme qui a souffert. Il dit, je ne peux pas, comment dire, je n'arrive pas à peser votre cœur pour l'instant et je ne trouve pas les mots pour, comment dire, c'est quand même quelqu'un au niveau des sentiments, je veux dire, il a du mal à les montrer, vous voyez, il va les montrer, il va vous prendre dans les bras, il va s'amuser avec vous, mais après, il ne trouve pas les mots justes pour vous consoler, il me dit. Il dit, je suis que passée de l'autre côté, et vous le savez en plus que je suis passée que de l'autre côté. On se reverra et on s'amusera encore ensemble, comme avant. C'est quelqu'un quand même qui vous taquinait quand vous étiez petite. Vous savez qu'il vous faisait perdre un peu la tête, hein? D'accord, hein? Hein? Tout le temps, il taquinait avec vous. Il vous avait gardé justement ce côté joueur, joueuse, à cause de lui aussi. D'accord ? Mais bon, pas qu'à cause de lui, il dit aussi à cause des autres. Hein. Vous voyez, vous êtes les deux petites dernières, ça a été une surprise ? Oui. Pour la maman. Parce que déjà, venir, c'était pas déjà prévu. Et en plus, deux dans deux, voilà, il dit, ça a été la surprise totale. Alors, il y en a qui voulaient des garçons, il y a des autres qui voulaient des filles, les filles voulaient des filles, les garçons voulaient des garçons. Hein? Et ça a été la surprise totale de savoir qu'il y en avait deux. Voilà. Ouais, surtout qu'il y avait une grande famille déjà qui était là. Oui. Vous voyez, d'accord. Qui c'est Maria? Maria, c'est notre grande sœur. D'accord. Oui, c'est celle qui a pris contact avec moi. C'est Maria. Oui. D'accord. Il y a un grand respect pour Maria, vous voyez. Il y a un grand respect pour sa grande sœur. C'est quelqu'un qui aime tout le monde, hein, votre frère, d'accord. Il fait pas de différence entre vous, il aime tout le monde, il me dit. Il a une fille, d'accord. Il s'appelle José, lui. José. Oui. José. José. D'accord. Oui. Parce qu'il est en train de me parler de sa fille, là. Elle est grande déjà, hein? C'est une femme, oui. Une jeune femme déjà, d'accord. Oui. D'accord. Il était déjà papy, hein? Il me montre qu'il était déjà papy. Alors, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Déjà, il me montre une fille. D'accord. Il est fier de sa fille, d'accord.
Il me dit, il est fier de sa fille. Il est fier de tout le monde, il me dit. D'accord? D'accord. Dis-moi un peu plus. D'accord. On reviendra après à sa fille parce qu'il me montre sa fille, mais... C'est qui Sonia? Sonia. C'est sa fille. C'est elle. C'est elle qui s'appelle comme ça, Sonia. D'accord. C'est sa fille. D'accord. Comme un sogno. Comme le rêve. Voilà. Ok. Et il y a beaucoup de questions que vous vous posez aussi par rapport à José, il est en train de me dire, à lui-même. D'accord? Voilà. Mais il me dit toutes les questions, vous les avez. Alors, vous rêviez de lui, il y a moins de rêves actuellement, il me dit. D'accord? Il est venu apaiser certains cœurs en rêve. Hein, et là, aujourd'hui, il est obligé de s'élever. D'accord? Il me dit, je suis obligée de m'élever encore plus. Je ne vous ai jamais abandonné, il faut que vous sachiez ça. D'accord? Voilà. Il me dit, je suis obligée de m'évoluer, d'un peu être égoïste, pour pouvoir avancer, pour ne pas être forcément dans ce corps malade qu'il garde encore un peu, d'accord? Il me dit, tout ça, ça va disparaître au fur et à mesure, et je vais devenir le bel homme que j'étais. Il est beau, votre frère, hein? C'est un beau garçon, hein? Il a les yeux clairs, hein? Oui. Parce qu'il me montre les yeux clairs, hein? Oui, les yeux clairs. On a l'impression que dans la famille, il y a un peu bizarre pourquoi il a les yeux clairs et il y a ceux qui ont les yeux noirs, marrons, et les yeux qui sont bleus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il y en a deux qui ont les yeux clairs, les autres, on a tous les yeux marrons. Voilà, d'accord. Hein. Et il joue sur ça aussi, hein? D'accord? Vous êtes du Nord, Chris, vous êtes du Nord, hein? D'accord. Oui. On a l'impression que la famille est un peu dispersée, vous voyez aussi, dispersée un peu, la famille. Il me parle de son enterrement, il y a eu du monde, d'accord, hein? Il me parle qu'il y a eu du monde à son enterrement. D'accord. Avant de parler de ça, il a eu un cancer, votre frère? Il a eu un cancer? Oui. On a l'impression que même il a un problème, vous savez, au niveau de l'estomac. Tout ce qui est l'estomac et tout ça, il me montre. Comme s'il avait aussi des pertes, vous voyez, au niveau, je veux dire, du mal à se contenir. Vous voyez? Il me montre ça. Alors, je pense que c'est dû aux médicaments. D'accord? Oui. Mais on a l'impression qu'au début, tout est bouché. Et puis après, tout d'un coup, tout est évacué, en fait. C'est ça, j'ai tout à fait ça. Hein, oui. Et il me dit, mon corps, il n'arrivait pas à retenir, même les aliments et tout ça, tout partait, en fait. Oui, c'est vrai. Il me dit, tout partait. Vous savez, avant qu'on commence la consultation, quand j'ai prié, quand vous m'avez envoyé la photo, j'ai fait la prière et tout, il me dit, va boire un bon café, Isabelle. Puis il n'y avait plus de café, j'avais plus de café fait. Il aimait le café. Et en fait, comme je disais, j'avais plus de café. Après, je me suis dit, tiens, je fais une ricorée, mais j'ai pas eu le temps. Alors que je ne fais jamais de ricorée, mais j'en ai. Vous voyez? Voilà, hein, la ricorée avec de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'était la ricorée au lait avec de l'eau. Voilà, hein. Voilà. Et avec, il me montrait un sucre. Et on a l'impression même qu'il faisait le régime du sucre, vous voyez? Oui, c'est ça, il pouvait pas. Voilà, le régime du sucre. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un de gourmand. Oh oui. D'accord? Hein, il me dit, ça m'a manqué, certaines choses. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui s'est battu jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et il me dit, vous m'avez aidé à me battre jusqu'au bout. Vous ne m'avez pas lâché, l'une et l'autre. Et ça, je vous remercie. Mais à un moment donné, il fallait bien que je parte parce que je savais que c'était pas bon. Je savais qu'il n'y avait pas de guérison. Je savais que je ne pouvais pas aller loin comme ça. D'accord, hein? Il n'y a pas cru non plus cette maladie. C'est quoi? C'est un cancer de l'estomac qu'il avait? C'est un problème du foie. Du foie?
Mais bon, c'était un peu. C'était généralisé après. Je généralisais, oui, je pense qu'au Au bout d'un ventre. moment, son corps il répondait plus. Voilà. Hein, parce qu'il me montre toute la partie du ventre et tout ça. Hein. Ah oui. Voilà. Oui. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui a fait de l'excès, hein, il me montre ça. C'est pas quelqu'un, il est bien mangé. De toute façon, il dit dans la maison, la famille, tout le monde prépare des choses bonnes. Après, il me dit, j'aimais tout ce qui était gâteau, sucrerie, bien sûr. Mais il me dit, comme beaucoup de personnes, mais il me dit, on ne peut pas dire que j'étais dans un excès. J'aimais bien la table, mais je n'étais pas dans un excès. Voilà. Il dit encore, je vous aime. Je vous aime. Voilà, il dit encore, je vous aime. Je vous aime très fort. Il me dit, vous savez, il est en train de me... Et vous emmener au bal, danser, vous emmener sortir pour danser parce que vos parents ne voulaient pas. Bah, quand on était jeune, Hein? Vous vouliez aller oui. danser Au et il fallait, bon souvenir, voilà, vous le taniez pour qu'il vous emmène. Hein? Vous savez, on a l'impression, d'accord. Il me dit, ben, lisez, ben, tiens, on va faire ça, on va te faire ranger ta chambre, on va faire ça, et puis comme ça, tu nous emmènes. parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de la Voilà. demande. Et il dit, ben, du coup, j'interpellais vis-à-vis des parents pour que vous sortiez. Vos parents sont toujours vivants, hein, ils me montrent ça. Hein. Votre mère a du mal et votre père aussi a du mal à se remettre. Voilà. Hein. J'ai plié la photo. Vous l'avez enterré, Isabelle? Il a été enterré? Il a été incinéré, mais Incinéré. en fait, ouais. Mais Mais il est dans là-bas. quelqu'un, il est dans un caveau en Oui, fait, d'accord. au sol. D'accord. Il me dit, c'est très bien comme ça. On a fait comme lui, il l'a Et voulu. il dit c'est très bien. Il dit c'est très très bien. Alors des fois j'ai des défunts qui sont pas du tout d'accord avec l'incinération et tout ça, mais lui il dit c'est très bien. D'accord? C'est ce qu'il voulait, Voilà. hein, c'est lui qui l'avait Voilà. dit. Alors c'est très bien. Bien que vos parents ne voulaient pas hein, cette façon de procéder. Non. D'accord? Il me dit ça ne m'a pas empêché de monter. Il dit au ciel. Hein. Bon, après, ils ont Ils l'ont accepté quand accepté. même, pourquoi Voilà. pas. Mais ça a été Oui. difficile. C'est Oui. difficile de croire que voilà qu'un corps voilà. Il me dit moi les bébêtes elles ont déjà assez à manger comme ça. Le disait en plus, qu'on disait tout le temps. Voilà. Hein. Donc Oui. lui il n'avait pas envie de se faire manger par les bébêtes. Voilà, D'accord, son c'est corps. ce qu'il Hein. m'avait dit. Hein, Ouais. il n'avait pas envie d'être un truc qui allait gonfler et puis puer là-dedans. Non, il veut le moins coûteux et le mieux. Il dit au moins, je suis partie, je suis partie. Il dit, j'ai eu quand même j'ai eu cette chance de pouvoir remonter, de passer de l'autre côté. D'accord, hein? Voilà, je suis bien arrivée, il dit. Et avant, était là était là pour m'accueillir quand je suis passée de l'autre côté. Je ne suis pas montée seule, je suis montée avec deux êtres. Hein? Elle l'attendait de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, il me montre quand il était petit, il disait toujours, quand il allait au Portugal, il disait, tu vois, je vais être bientôt je vais te dépasser, bientôt je vais être plus grand que toi. Il la taquine, hein, il la taquine. Hélène, qui c'est Hélène? Une sœur, c'est celle qui est venue après lui. C'est D'accord, notre sœur. d'accord. Voilà. Vous avez des questions à poser à votre frère Isabelle? Ben oui, on voulait ben, lui demander. En fait, on l'a accompagné jusqu'à la fin à Oui, l'hôpital jour et nuit. oui. Et il est parti Le le matin? vendredi matin Le à l'heure où matin? on a ramené nos enfants à l'école. Oui. Et toutes les deux, comme par hasard. Oui, vous ne pouviez pas être là à ce moment-là? Ouais, Oui. pourquoi il est parti alors qu'on n'était pas avec lui, alors qu'on avait passé tout le temps là-bas avec lui en fait? Et il dit parce que c'était mon moment et que le moment de partir, je vous ai attendu, mais
mais j'ai pas pu attendre plus longtemps. C'était comme ça, c'était mon moment. Il ne faut pas que vous le regrettiez. Il me dit, je sais que vous m'avez accompagnée à chaque moment. Vous voyez, vous vous reléguez, il me dit. Hein? Puis des fois, vous arrivez à être ensemble. D'accord? Et il me dit, vous reléguez justement la situation. Il m'a dit, il a fallu que je parte. Je ne pouvais pas vous attendre. Voilà. Hein? Et puis, je voulais partir quand même avec une belle image du vivant, de moi en vivant et pas de moi qui mourut. D'accord? Il me dit, je vous ai accompagné, je vous ai suivi. À un moment donné, je vous ai suivi là où vous étiez. Mais enfin, j'étais libre de ce corps. D'accord? Je me suis retrouvée libre et j'ai pu voir comment vous étiez. D'accord? Vous l'avez ressenti, il me dit. Vous l'avez ressenti que c'était... vous avez comme un souffle, comme pour dire, mais il va partir. Il m'a dit, à ce moment-là, j'étais près de vous. D'accord? Même si vous n'étiez pas ensemble à ce moment-là, l'une à côté de l'autre, il m'a dit, j'étais près de vous. Je vous ai ressenti toutes les deux. D'accord? D'accord. Il est parti quoi? Très tôt le matin, il me marque 6h30, 7h, 8h, c'est ça? 8h, 8h. 8h, 8h. À 8h, il est parti. À l'heure de l'école. D'accord. Il n'a pas pu faire autrement, il me dit, d'accord? Il me dit, n'ayez pas de regrets, je n'ai pas pu faire autrement. Et j'ai été accompagnée, vous m'avez aidée jusqu'au bout. Voilà, vous avez été présente jusqu'au bout. Ça a même été une organisation vis-à-vis de vos enfants. Voilà. C'était compliqué avec les petits. Il comprend ça, hein? Mais il dit, il était temps que je m'en aille. Comment il résistait à cette belle lumière divine qui est venue me chercher, avec ces deux anges qui sont venus me chercher? Mais c'est qui le deuxième ange? Alors, il y avait un guide et un ange, il me dit. D'accord, votre grand-mère l'attendait de l'autre côté, il me dit. C'est pas elle qui est venue chercher, elle l'attendait, on est venu le chercher. Et il me dit, j'ai demandé à vous voir avant de remonter. D'accord, voilà. Vous étiez pressée avec les enfants. Vous étiez pressée parce qu'ils étaient en retard, ils n'étaient pas prêtes. Vite, 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 faut aller à l'école. Oui, parce qu'on a été pressé d'aller le rejoindre à l'hôpital. Voilà, vite, 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 il faut aller à l'école. Il faut aller vite, 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 les enfants et les enfants traînés. Voilà. Il ne faut pas leur en vouloir, il dit, Zaza. Non. D'accord. Voilà, hein, il ne faut pas leur en vouloir. Il aime beaucoup, il est parrain aussi d'un de vos enfants. Oui. D'accord, hein, parce qu'il me montre ça. Ça a été son anniversaire dernièrement? Oui, hier. Ah, c'était hier? Oui. D'accord. On a l'impression qu'il souffle la bougie avec cet enfant. Un adolescent. Il me montre l'adolescent. Vous voyez, il me dit, je suis là. Il dit, j'étais là. Vous m'avez appelé. J'étais là. Oui. Il me dit, j'étais là. Vous m'avez appelé. J'étais là. Et votre fils est sportif? Oui. Hein, parce qu'il me montre ça, hein. Un peu plus sportif que lui, il me dit. Oui. C'est qui Joachim? Ah, Joachim, c'est un de ses meilleurs amis dans le temps. D'accord. Dans le temps, ils étaient bien potes. Ouais. Hein, il est venu le voir à l'hôpital, hein, mais il était plus conscient. Ah, il est venu le raser. D'accord. Ouais. Avant qu'il s'en aille, ouais, faire une beauté. Ouais, il est venu lui faire sa petite beauté. D'accord. Hôpital. Eh ben, il dit, vous embrasserez Joachim. Et vous le remercierez. Hein? Vous voyez, Isabelle, il est en train de me dire, Isabelle ici, il est en train de me dire, vous n'osiez pas lui toucher sa barbe et tout ça, de peur de lui faire mal. Oui. Vous voyez, de peur de le couper. De le couper. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me dire. Hein? Il avait beaucoup perdu de poids aussi, donc du coup, ben, pour vous, de rajouter une douleur, pour vous, c'était pas possible, d'accord? Ah, il est venu le raser? Oui. Il est venu la mousse. Ça lui a fait du bien, il me dit. Ça lui a rafraîchi, hein? Parce qu'il me dit, c'est quand même quelqu'un qui aime la propreté, d'accord? Qui aime être net. Hein? Et il me dit, ça m'a fait du bien, ça m'a rafraîchi. Voilà. Hein?
Et il dit je l'embrasse très fort. Oui, on lui dit ça. Alors, il me montre l'enfance, hein, vous jouez, il me parle des cabanes, des billes, comment dire, vous jouez au foot, la bagarre. Vous voyez, il me montre ça. Il y avait toujours des trucs à la maison, il y avait toujours des trucs pour faire des conneries, il dit. D'accord? Hein? Et des fois, ça criait, parce que vous faisiez peur, il fallait se cacher, cache-cache. Cache-cache. Il m'a dit, de toute façon, je vous trouvais toujours, je faisais semblant de ne pas vous trouver. Hein? Il m'a dit, vous avez quand même les chocottes. Hein? Hein? Quand vous étiez petite, vous aviez peur. Hein? Hein? Et des fois, il venait vous faire peur. Hein? D'accord? Vous embêter. Pas longtemps, parce qu'il savait très bien que vous n'aimiez pas ça. Mais il dit, on venait faire peur aux filles. Hein? Il me montre, vous savez, ces brûlures d'estomac aussi. Oui, Hein? c'est normal. Et l'acidité qui remonte. Et il ne pouvait pas se tenir comme ça bas. Il me montre qu'il a tout est remonté. Il me montre qu'il a été un petit peu chez vous. Après, il est parti à l'hôpital. Et à un moment donné, il est resté complètement à l'hôpital, il me dit. Hein? Il dit qu'il était en soins intensifs. Hein? Il était, comment dire, en surveillance. Voilà. Hein? Ils ont été gentils à l'hôpital parce qu'ils vous ont laissé souvent rester longtemps. Oui, bon, tu me Tardivement. dormais 4 heures sur Même 24. la nuit, oui. Ouais. Hein? Et parce que c'était pas forcément, je veux dire, autorisé. Non, oui, c'est Vous vrai. voyez? Ils me disent, ils ont été gentils de vous laisser. Et votre frère me dit, il faut rentrer. Hein? Il me dit, vous voyez, ça le dérangeait. Il faut rentrer maintenant, vous avez les enfants et tout ça. Et ils ont besoin de vous. Hein? Et il me dit, moi, ça me gêne, ça me gênait. Il me dit, ça me gênait parce que. Parce que vous avez votre vie de famille. Hein. Voilà. Il m'a dit, je ne pouvais rien avoir de mieux que d'avoir deux sœurs comme vous pour pouvoir m'amener jusqu'au bout. Il me dit, vous êtes mes deux perles. Hein. Voilà. Alors, Isabelle et Sylvie, il est en train de me dire que par la suite, il va revenir plus souvent vous donner des messages par les rêves. Hein. D'accord? Ça ne sera pas tout de suite, vous l'avez demandé, parce qu'il est en train de s'éveiller et s'élever. Il reviendra d'ici. Alors, il me dit, les rêves vont être plus marquants d'ici 7 mois, il me dit. 7 mois, 1 an. Beaucoup plus marquant. D'accord? Où il va venir vous rendre visite et ça sera plus facile pour lui. Déjà, il vous rend visite. Il a la permission de venir vous rendre visite de temps en temps. Et il me dit, moi, ce Noël, vous savez que j'aime la fête. Vous savez que j'aime Noël. Vous savez que j'aime faire plaisir aux enfants. N'oubliez pas les enfants en période de Noël, il dit. Je serai là. À ce moment-là, je serai là. Mettez ma place. D'accord? Mettez ma place, il dit. Je serai là parmi vous. Mettez une photo de moi. Je serai là avec vous. Je ne vous quitte pas, il dit. Voilà. Je veux que les enfants aient du bonheur. D'accord? Voilà. Il dit, je vais bien, moi. Je vais très, très, très bien. C'est vous. Je veux pas que vous vous habilliez aussi en noir, il dit. Il dit, je veux pas vous voir habillé en noir. Il me dit, c'est quoi ces deux veuves en noir? C'est triste. Il me dit, c'est quoi? Les deux veuves noires, il dit. Deux corbeaux. Deux corbeaux, il dit. Il me dit, je veux pas ça, il dit. C'est moche. Hein. Il aime pas, il aime la couleur, il me dit. Il me dit, c'est deux corbeaux. Il me dit, vous allez arrêter maintenant ces conneries, il dit. Hein, vous arrêtez ces conneries. Je veux pas vous voir habillée comme ça. D'accord?
Il me dit, maintenant, je veux que vous vous mettiez du marron, du rose, du blanc, je veux pas de rouge si vous voulez, mais je veux pas vous voir en noir comme ça. Il m'a dit, en plus, ça ne vous va pas du tout. Oh, Ça vous amincit pas, il dit, ça fait moche. Il dit, vous allez me jeter ça. Il me dit, vous allez me jeter ça. Vous mettez un truc noir si vous voulez, un autre truc en couleur, mais pas question que vous mettiez des hauts sombres comme ça. Il dit, d'accord. Hein? Il me dit, je veux plus vous voir en corbeau. Il dit, il me dit, déjà avant, j'aimais pas la voir en noir. Alors maintenant que mes deux petites sœurs elles se mettent en noir, mais c'est quoi ça? Il fait, il dit, vous allez arrêter, stop. Hein? Il dit. Le noir, c'est des anciennes traditions. Il dit, je veux pas ça. Il me dit, il y a des pays qui s'habillent en blanc. Je préférais vous voir en blanc quand je suis montée à la lumière. Je suis dans la lumière. Je ne veux pas vous. Le noir, c'est pour l'obscurité. Je ne veux pas vous voir en noir, il dit. Hein? Il me dit, c'est normal que vous soyez toujours triste. Hein? Il n'y a pas de couleur. Chaussettes noires, pull noir, pantalon noir, jean. Il dit, c'est tristesse, il fait. Que grande tristesse. Voilà. Il aime le bleu, votre frère. Vous voyez, il me montre la couleur bleue, bleu et blanc. Hein? Il me montre ces deux couleurs, bleu et blanc. Et hein, il aime le bleu et le blanc. Il dit, moi, je veux vous voir habillé en rose, pas rose bonbon, hein, il dit. Hein. Voilà, mais en rose, en couleur parme, de jolies couleurs, mais pas en noir. Voilà, arrêtez, stop. Il dit, c'est bon. Voilà. Même si ça fait pas longtemps qu'il est parti, il ne veut pas cette couleur. Donc, d'accord, Isabelle et Sylvie. Donc, il est bien aussi de vous respecter de ce côté-là et de le respecter aussi. Voilà. Pour lui, vous le maintenez, c'est de la tristesse, tout ça. D'accord? Hein? Voilà. Même les enfants, vos enfants ne supportent pas de vous voir habillé comme ça. De cette C'est vrai, couleur. j'ai vu. Hein? Il était du signe scorpion, votre frère? Du mois d'octobre, c'est scorpion, ça. C'est scorpion, mois d'octobre. Oui. À partir du 21 octobre, 21-22, oui, c'est scorpion. Oui, Donc, et il du est mort 28 octobre. dans le moment de scorpion. Mais il est mort aussi dans la période du même mois, c'est ça? Il est Oui. décédé? D'accord. Oui. Il est jeune, hein, parce qu'il me montre qu'il a quoi, 55 ans, 54, 55, hein, c'est ça? 54, tu aurais fait 55. D'accord. Oui. Hein, d'accord, c'est pour ça qu'il me parle. Ok. Et vous voyez, là, il me dit, j'aimerais vous envoyer plein de roses. Vous voyez, des plumes, des roses sur vous. Voilà, vous remplir de bouquets de roses. Il aime les fleurs, hein? C'est quelqu'un qui aime les jardins et tout ça. Vous voyez, il me montre, Oui, il est bien, il oui. aime le jardin, il aime les. Vous voyez, il aime les choses en couleur, il me montre des citrouilles, il aime la citrouille, la couleur de la citrouille, toutes ces choses-là. Vous voyez, ces gros fruits, ces tomates et tout ça, mais il aime les fleurs aussi, les légumes et tout, mais il me montre aussi les fleurs. Il aime tout ce qui est jardinage en fait. Oui, c'est vrai. D'accord, la terre. Hein? Jardin. Hein? De dire qu'il y a quelque chose qui peut pousser, quelque chose qui peut donner de la senteur. Il aime ça. Vous voyez? Et il me dit, vous savez que je vais pouvoir m'occuper d'un beau jardin ici. C'est Voilà. bien. Je vais pouvoir m'occuper d'un beau jardin. Vous voyez, il aime bêcher la terre, il me montre. Mettre Oui. même ses doigts dans la terre. Hein? D'accord, hein? Hein? Vrai. Voilà, pas forcément porter des gants. Allez, mets des gants. Non, il aime. José, il aime bien. Vous voyez? Et il aime les animaux, et il aime les patos. Il me dit patos, les canards, tout ça. Il aime les volatifs aussi, il me montre ça. D'accord? D'accord. Il est en train de me dire ici, il y a de magnifiques paons. Des paons qui s'ouvrent. Et moi, j'aimerais que vous vous ouvriez aussi, toutes les deux. Voilà.
Vous voulez lui parler, Isabelle et Sylvie? Vous voulez lui demander des choses? Bah, en fait, comme c'était un peu tendu avec ses enfants et sa femme, par rapport à les histoires d'avant, on voulait savoir si il nous en voulait pas et si on avait fait tout ce qu'il fallait pour lui, pour qu'il soit en paix, en fait. Et alors, il est en paix avec vous et tout ça, d'accord? Il me dit, vous avez été génial. D'accord? C'est compliqué de l'autre côté, d'accord? Il a eu qu'une fille, c'est ça? Il a eu qu'une fille? Non, il a un deuxième enfant. D'accord. Pourquoi il ne me montre pas l'autre enfant? On a l'impression que la mère les a un peu éloignés, vous voyez? Il me montre ça. C'est qui Tony? Tony? Oui, Tony. Tony, c'est mon fils, Tony. D'accord. C'est son filleul. D'accord. C'est le petit qui a eu, c'était son anniversaire, l'ado, il me dit, l'adolescent. Attention, il ne faut pas dire petit. Il ne faut pas dire petit, il dit. Attention, voilà. Hein. Il ne faut pas dire petit. Hein. C'est le sportif. Oui, c'est ça. Hein. Et il joue quoi? Du handball? C'est quoi? Du handball? Oui, c'est du handball, oui. Du handball. Et il dit, il est bon. Oui. Hein, il est bon. Il s'est retrouvé, ce garçon, dans ce sport. D'accord, oui, il s'est retrouvé. Oui. Il se donne à fond. Il est brave. Hein. Il me dit il est brave. Hein. C'est qui Laura? Qui? Laura ou Lara ou Laura? Laura. Lara. D'accord. C'est pas grave, je vais le noter. Ou Loris. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais noter, moi. D'accord. Qui c'est Joachim? C'est votre frère? Joachim? Oui. Non, c'est son ami. Ah oui, c'est vrai. Oui, celui qui est venu le raser. Oui, d'accord, parce qu'il me reparle de Joachim. D'accord? Il a... Vous voyez, il me montre l'accolade avec Joachim. Mmh. Cette accolade avec lui. Mmh. Hein? C'est son ami d'enfance, comme vous disiez, mais c'est plus qu'un ami d'enfance, c'est comme un frère pour lui. Oui, oui. D'accord, hein? Voilà. D'accord. Il y a des choses encore qui ne sont pas encore claires dans sa tête, d'accord? Parce que c'est encore très tôt, il me dit. D'accord? Donc, il est obligé de se libérer complètement de ce corps terrestre, de sa façon d'avoir été, de vivre, d'accord? Normalement, il faut attendre 40 jours, des fois c'est un peu plus. Et il me dit pour pouvoir se libérer complètement, pour après avoir cette conscience complète, d'accord? Hein? Il avait besoin quand même de passer ce message pour pouvoir vous libérer aussi. Il me dit, moi je suis en train de me libérer et je veux que vous vous libérez aussi de vos manteaux, de vos affaires sombres, il dit. D'accord? Sylvie, et là, il parle pour vous. Il me dit, il faut absolument, ma sœur, que tu sors de cet emprisonnement. D'accord? C'est plus dur pour vous. Pour Isabelle, ça va être un peu plus facile, mais pour vous, ça va être un peu plus dur, il dit. Il me dit, c'est pas le deuil, c'est pas cette façon-là que tu vas pouvoir faire mon deuil. C'est dans la joie et l'amour et le bonheur que tu vas m'aider à m'élever. Hein? Vous m'avez accompagnée jusqu'à la fin et aujourd'hui, vous devez m'accompagner jusqu'à ce que je monte complètement dans cette lumière, il dit. D'accord? Il est de l'autre côté, mais il va devoir passer après vers la lumière encore plus haute. Et pour ça, après, il va rejoindre encore sa grand-mère parce que votre grand-mère est montée plus haut. Elle l'a accompagnée, elle était là pour l'accueillir, mais il a eu besoin de se soigner, d'accord? De se faire aider. Et maintenant, il dit, maintenant, il va falloir que je monte. Et pour ça, je vous demande de cette aide. Vous priez quand même beaucoup pour lui, d'accord? Il reçoit tout ça. Il reçoit toutes ces bénédictions que vous lui apportez, il dit. Mais maintenant, c'est aussi dans votre façon d'être. Après, je vous demande pas d'aller danser ou de faire des choses que vous ne pourriez pas avoir parce que vous n'avez pas le cœur. Mais n'oubliez pas la fête des enfants, il dit. Il dit, moi, de voir les sourires des enfants, c'est ce qui me rend le plus heureux, les cadeaux. Et vous savez que j'aimais les cadeaux et que j'aimais faire des cadeaux. Voilà. D'accord, Sylvie?
Hein? Voilà. Après, chacun porte son deuil comme il le ressent, d'accord? Il faut pas, je veux dire, il faut pas, je veux dire, je suis pas bonne conseillère pour ça. Mais ça, c'est lui qui vous donne cette information. Vous voyez, il me montre, on a tellement joué, on a tellement rigolé, on a tellement fait de bêtises, que maman et papa, ils nous ont pris toute la tête, surtout quand papa n'était pas là, d'accord? Parce que là, c'était plus strict, d'accord? Mais il dit, aujourd'hui, moi, je veux que la vie continue pour ses enfants aussi, d'accord? Voilà. La vie, elle ne s'arrête pas là. Je ne suis pas mort. J'ai laissé que mon corps. Voilà. Mais je ne suis pas mort. D'accord. Je suis un être de lumière maintenant. Je passe à l'être de lumière. J'ai libéré toute cette douleur. J'ai libéré toute cette... toutes ces choses mauvaises, j'ai lutté jusqu'au bout pour vous montrer que je pouvais lutter, mais à un moment donné, c'était normal que je parte. Vous ne pouviez pas me garder. Vous avez fait le maximum et vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ne regrettez pas de ne pas avoir été là au moment où... Mais je suis quand même venue vous voir. Hein. Vous m'avez ressenti et vous avez fait vite pour vite venir me voir, mais c'était trop tard quand on a annoncé. Hein, j'étais à côté de vous. J'étais plus dans ce corps froid. J'étais à côté de vous dans la lumière. Voilà, avec mes deux guides. Voilà, avec mes deux anges, j'ai dit. D'accord. Ah, une petite araignée qui est venue me voir. Elle vient de passer là dans mon cas, une petite araignée. Voilà. Des questions à poser? Bon, moi, c'était juste, je voulais juste savoir s'il n'était pas fâché contre moi, parce que j'ai pas été toujours très gentille avec ce qui a été fait ou dit. Alors. Avec ses enfants, avec sa femme. Et... Ben parce que il dit parce que tu estimais qu'elles avaient un rôle aussi à jouer, d'accord, par rapport à cette maladie. Mais il dit je peux comprendre aussi ta colère, mais chacun après gère les choses à leur façon. Tu sais très bien qu'elle a toujours été un peu distante, donc il faut pas lui en vouloir. Il dit. D'accord ? Il ne faut pas lui en vouloir. Je ne veux pas que tu aies une rancune ou de la colère. Je veux que tu gardes ton sourire de soit, reste ce que tu es toi. Hein, tout. De toute façon, tu n'as, c'est vite, il me dit, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Hein. Hein? Vous gardez la cocotte minute, puis après, paf ! Ouais. Hein, la cocotte minute. Et il dit maintenant, il faut passer à autre chose maintenant, il dit. D'accord ? Il faut passer à autre chose. Vous avez fait du mieux pour moi. Et ça, je ne vous remercierai jamais autant de tout ce que vous avez fait. Et un jour, je viendrai moi-même vous chercher. Voilà. Ouais. Un jour, c'est moi qui viendrai vous chercher. Il dit, vous avez demandé à Avoir qu'elle vienne me chercher. Elle est venue me chercher. Et un jour, c'est moi et Avoir qu'on viendra vous chercher. D'accord ? Elle est morte âgée, votre grand-mère. Hein, il me montre quelqu'un qui est parti âgé. Hein, waouh ! Je sais pas. Oui, oui. Très âgée, même. Hein, oui. Elle a 99 ans. Ah, oui, parce qu'il m'a montré 100 ans. Elle n'avait pas fait 100 ans. Vous voyez ? Elle allait les faire. Elle allait les faire, ouais. Quoi, il y a 6 mois, à peu près 6 mois, pour avoir ses 100 ans ? Ouais. Elle est, en fait, elle est décédée au mois de janvier. Elle est du même jour que mon frère, du 28 octobre. Ouais. D'accord. Hein. Elle fait 100 ans, oui. Ah oui, parce qu'il me montre ces 6 mois qu'elle allait après le faire. En fait, c'est... Voilà. Ok. Mais disons, c'est... Alors, la pauvre, avec tout ce qu'elle a travaillé, d'accord, il dit aller vivre aussi longtemps. Elle avait même cru, votre grand-mère, qu'on l'avait oublié, de là-haut, qu'ils l'avaient oublié. Vous voyez ? Voilà. D'accord. Alors, on va
Je vais arrêter la vidéo, d'accord? Et je reviens vers vous, d'accord? Ne quittez pas. Parce qu'il a des choses personnelles à vous dire, donc on va regarder ça plutôt personnellement, d'accord? Merci. Allez, Merci.